tige. Sinon, bien sûr, ça risque de dégueuler sur le voisin, mais... Rassurez-vous, c'est pas nous qu'on nettoie. Il voltigeait en l'air tel un oiseau. Il planait tout en haut du chapiteau. C'était le plus fameux des trapézistes. C'était une sauterelle fantaisiste. Depuis 20 ans, Stromboli se montrait vêtu d'un slip orange à pois violet. C'était là son unique vêtement d'artiste, sa signature, son emblème sur la piste. C'est le slip, mesdames et messieurs, de Stromboli, qui est réputé, connu du monde entier. C'est le slip de Stromboli, oui, qui fait de l'effet au public déchaîné. Ah, mesdames et messieurs, le spectacle commence vraiment maintenant. Accrochez-vous, on va voler. Un jour alors qu'il grimpait vers les cieux, sous le regard des gens venus nombreux, Stromboli s'aperçut qu'un grand malheur allait bientôt entamer sa pudeur. Car l'élastique de son slip coloré était sur le point de l'abandonner. Impossible d'interrompre le spectacle. La vie craqua et ce fut la débâcle. C'est le slip, mesdames et messieurs, de Stromboli qui a lâché. Il était trop usé. C'est le slip de Stromboli, oui, qui est tombé sur la foule médusé. Mesdames et messieurs, le spectacle continue même pendant les travaux. Tout à 20 mètres au-dessus du vide, le trapéziste honteux devint livide. En bas, le public ne respirait plus. Il était loin, mais il avait tout vu. Pas question d'allumer le numéro, non. Stromboli ne tournera pas le dos. Ravalant sa fierté, il s'élança. Et le moineau à l'air, il triompha. C'est le slip, mesdames et messieurs, de Stromboli, qui est oublié. On peut bien s'en passer. C'est le slip de Stromboli, qu'on a cherché, qu'on n'a pas retrouvé. Il est tombé. Il était trop usé. Merci pour les...